Ist die politische Partizipationsweise der Jungen in Deutschland und Frankreich repräsentativ für eine politische Krise? Erster Teil, der Fall der Eliten. Mais qu'est-ce qu'est réellement une élite? Une élite est un petit groupe de personnes qui profitent d'immunité et de privilèges dont la majorité ne bénéficie pas. Quand on parle d'élite politique, on entend par là que les personnes qui nous dirigent sont toujours les mêmes, issues de mêmes familles et de classes sociales élevées par exemple. Le problème que cela pose est que le contact est difficile entre ces gens et ceux du peuple. Zweiter Teil, der Fall der Lobbys. Et qu'entendez-vous par le terme lobby? Un lobby est une ou plusieurs entreprises qui ont une telle influence qu'elles prennent au peuple son rôle politique actif en agissant directement sur les institutions, en faisant pression ou grâce à des moyens financiers. Cependant, il existe des risques. On sait que quand les citoyens sont énervés et déçus de la politique ou quand il y a des crises ou des situations difficiles, alors ils ont tendance à voter pour des partis autoritaires, voire extrêmes. Dritter Teil, die Jugend begegnet der Krise. Certes, nous vivons dans une démocratie qui peut parfois s'avérer défaillante. Cependant, il faut plutôt se poser une question. Ce phénomène est-il vraiment en danger ou simplement une transition inévitable dans un monde globalisé?